Et si je vous disais que dans l'univers Fortnite, il y avait deux mondes? Un monde normal qui serait, entre parenthèses, le monde des humains, donc le monde de John Jones alias Jonesy, et une simulation qui serait donc le monde de Fortnite. Je vous explique. Lors de l'ancienne saison, la dernière saison, la saison 4, avec Galactus et les super-héros, en fait, cette saison n'était autre qu'une introduction à la vraie histoire de Fortnite. Ça a commencé quand Galactus a vraiment sorti le point zéro. Et donc, le point zéro était en fait un passage entre le monde normal et la simulation. En revoyant Galactus et en le battant entre parenthèses, parce que oui, on n'a pas réellement tué Galactus, on l'a juste renvoyé dans son monde, on a ouvert un passage, soit le pont. Là où la saison 5 prend tout son sens dans l'histoire de Fortnite, c'est la mission de John Jones alias Jonesy, qui fait donc partie d'une agence secrète et doit réparer le pont et faire en sorte qu'aucun skin, aucun personnage de cette simulation ne sorte. Sauf que deux petits malins ont réussi à sortir avant le chapitre 2, avant que l'un des 2.0 ne soit explosé de cette simulation. Alors, on reviendra sur ce petit détail, parce que simulation veut donc dire que logiquement, tu n'es pas censé être conscient que tu es dans cette simulation. Après, Fortnite nous avait sorti plein de petits indices pour nous introduire cette saison. Donc, vous vous souvenez de l'agence lors du chapitre 2, saison 3, avec Midas. C'était en fait une reproduction de l'agence actuelle de John Jones et avec l'élite Commando. L'élite Commando, c'est donc l'ordre imaginé. C'est les agents qui spawnent sur la carte et nous tuent. C'était comme le même concept que les maraudeurs. Bref, on s'éloigne un peu. La saison 5, chapitre 2, nous apprend donc qu'il y a plusieurs réalités, peut-être 7 comme les 7, on en reviendra un peu plus tard. Car John Jones va dans plusieurs réalités, plusieurs mondes, pour recruter plusieurs chasseurs. On remarque donc que tout est lié, chaque saison, chaque chapitre. Bref, rassemblons le puzzle, c'est parti. Donc, nous allons commencer notre analyse avec la société cachée, celle de John Jones, qui était en fait cachée sous nos pieds depuis le début. Oui, même depuis le chapitre 1, tout est vraiment lié en fait. Bref, donc les bases cachées sont donc les repères des agents de l'ordre imaginé. Avant d'aller trop loin dans John Jones et dans l'agence, nous allons aller sur Ramirez, car oui, elle est très très importante dans cette partie de l'histoire. Donc la théorie la plus populaire pour le moment serait que c'était en fait Ramirez qui donnait l'ordre à John Jones d'aller réparer le pont, donc le passage. Je vous mets ce trailer. Mais le point zéro est exposé, vous devez y entrer. Allez, moi qui espérais ne plus voir d'image de moi à l'intérieur de la boucle. Non, vous devriez plutôt espérer que personne ne s'en échappe. La réparation va se faire de l'intérieur. Bien compris madame, je m'y mets. Et surtout n'attirez pas l'attention des sept. Et donc, si cette théorie s'avère être vraie, ce serait enfin le lien entre le mode sauver le monde et le mode Battle Royale. Parce que oui, on sait qu'il y a un lien, mais on ne savait pas c'était par rapport à qui ou à quoi. Et aussi, si vous ne l'aviez pas remarqué, Ramirez est là depuis le début. C'est l'un des premiers skins bambins, ainsi que le skin Jonesy. Et donc, elle aurait créé plein de doublons d'elle. Je vous explique. Quand on rentre et on sort de cette simulation, donc, apparemment, il y aurait des doublons qui se formeraient. Donc, maintenant que vous comprenez un peu, maintenant, regardez cette image. Et oui, ce ne sont que des doublons, en fait, de Ramirez. Et maintenant, regardez celle-là. Ok, donc maintenant que tu es en train de comprendre, écoute ça. Lors de la saison 5, chapitre 1, avec l'arrivée de Nomad, celui qui avait traversé le monde, notre monde vraiment, et qui était arrivé dans la simulation de Fortnite, Brad Bomber était en fait une variante de Ramirez. Et quand on fait un peu attention à cette histoire, on remarque très clairement qu'en fait, Nomad était suivi
par Bright Bomber alias Ramirez. Mais on peut se demander pourquoi. Tout simplement parce qu'elle voulait savoir comment Nomad a réussi à rentrer dans la simulation pour qu'elle-même en sorte. Donc, elle est restée avec Nomad jusqu'à l'arrivée du cube. Elle touche le cube et voit donc une variante d'elle maléfique. Puis, d'un coup, plus de Nomad. Disparition totale jusqu'à la saison 6, fin du chapitre 1, dans cet écran de chargement. Maintenant, repassons au chapitre 2, notre chapitre actuel. Maintenant que vous comprenez, si je vous dis qu'il n'y a quasiment plus aucune variante du skin Ramirez, mais qu'il y a deux fois plus de variantes du skin de Jonesy alias John Jones. Donc, la théorie la plus populaire, encore une fois, se base sur le fait que lors de cette bande-annonce, l'appareil qui permet de passer le pont pour entrer dans la simulation fonctionne à partir de certains morceaux du cube. Ce qui voudrait donc dire que quand Ramirez a touché le cube, quand Nomad était là, elle a tout compris, a réussi à sortir de la simulation grâce au cube, d'où toutes ces variances. Peut-être 2-3 allers-retours et vers le chapitre 2, décide de plus jamais retourner dans cette simulation. C'est là où John Jones fait son apparition. Donc elle embauche Jonesy pour faire pour elle des allers-retours, d'où cette phrase. Ah, ils l'ont fait! On est en vie! Ouais, mais le point zéro est exposé, vous devez y entrer. Allez, moi qui espérais ne plus voir d'image de moi à l'intérieur de la boucle. Bon, en vrai, on comprend que là aussi, John Jones n'est pas plus chaud que ça, mais bon, ce qui prouve bien qu'elle contrôle l'agence de John Jones et la simulation. Cependant, la simulation a été créée avant qu'elle sorte de la simulation. Donc, on peut donc se demander qui était le premier commandant, le premier chef de cette simulation. Et si je vous dis qu'en plus de Ramirez et de Jonesy, Midas aurait peut-être réussi à sortir lui-même de la boucle. Donc, d'où cette variante. Donc, ces variantes, il y a deux variantes qui sont sorties. Ce qui encore appuie cette théorie populaire. Souvenez-vous de l'événement Doomsday qui introduisait donc John Jones et l'agence. Donc, l'appareil de Midas servait à annuler la boucle. Donc, de sortir de la simulation. Sauf que son plan a échoué. Mais vu que de nouvelles variantes sont sorties, on peut donc supposer qu'il a réussi à sortir de la boucle. Alors comment, on ne sait pas encore, on n'a aucune information, mais il est sorti. Maintenant, parlons de Lexa, qui serait éventuellement la fille d'un des sept. Alors voici les infos qu'on a. Elle ne fait pas confiance ni à Jonesy, ni à l'agence, donc Lord Imaginé, et les soupçonne, voire se méfie d'eux. Après aussi, elle parle beaucoup de son père dans ses revêtements, dans sa réaction, etc. Mais si vous regardez bien sa tenue, tout fait référence à l'un des sept. Et le sept en question serait le scientifique. Ce qui est très risqué. Je sais qu'elles n'ont pas manqué d'attirer d'autres regards, mais c'est ça. Où nous sept perdons le pont pour toujours. Je crois que personne n'a calculé la formation de l'île. Les chocs interdimensionnels de matière sont censés rectifier, pas déplacer. Pour l'avoir vu, je peux affirmer avec certitude que le croisement seul l'a rendu inévitable. Après, pourquoi ? Dans le trailer de cette saison, Ramirez dit bien à Jonesy. Mais... Et surtout, n'attirez pas l'attention des sept. John. Donc, dans ce trailer, on voit bien que Jonesy n'a pas eu le temps de prendre l'avertissement de Ramirez. Mais cependant, les sept savent tout. Donc, peut-être qu'au lieu d'attaquer directement Jonesy et donc l'agence, on crée Alexa pour être un agent double, prendre les infos qu'il faut, et peut-être qu'à la fin de cette saison, l'un des sept fera son apparition. Et maintenant, regardez cette image. Alexa est la seule qui veut, a priori, attraper, prendre le point zéro. Étrangement. Voilà, donc avec toutes ces infos, on peut donc se demander, mais qui sont réellement les 7? Pour le moment, on n'en connaît que 3 sur 7, le scientifique, le visiteur et le paradigme. Donc dans la logique, cette chasseur, les 7, veut donc peut-être dire qu'il y a en fait 7 réalités différentes. Mais faudra encore attendre pour connaître les 4 autres réalités.
Et si je vous dis que, comme par hasard, il y a une semaine, dans le club de Fortnite, le chef des renards, donc, elle fait partie du clan des renards, est arrivé. Donc, encore une référence à Nomad, chapitre 1, saison 5. Tout est vraiment lié. Peut-être alors le retour du cube, finalement. Bref, retournons vers John Z et de son évolution. Pour le moment, on est passé de ça à ça. Et maintenant, si je vous montre cette image. La théorie veut donc que John Jones, petit à petit, ressemble au skin bambin John Z, la variante coincée dans la boucle, et donc que finalement, John Jones sera John Z, sauf que dans cette simulation, il ne peut y avoir deux variantes identiques. Donc, la théorie voudrait que l'un des John Z mourra dans la simulation ou la simulation va complètement se perturber. Donc voilà toutes les infos que nous avons pour le moment. Nous allons donc conclure sur finalement. Sachant que John Z et Mara Mirez ne sont pas les premiers skins bambins, est-ce que les autres skins bambins ne font pas partie de l'histoire d'une façon ou d'une autre? Peut-être même être les autres dirigeants de cette simulation. Donc pour le moment, pas trop d'informations, hein, à part que comme John Z et Ramirez, ils ont des gravates autour du biceps. Donc connaissant toute l'histoire de John Z, Ramirez et que tout est lié, pas besoin de plus d'informations a priori pour se douter que l'histoire s'est aussi répétée pour eux. Et donc, 5 skins bambins plus de John Z et Ramirez font 7. Encore une référence aux 7. Donc, cette fois-ci, on part sur ma théorie. Je me dis donc que les 7 ont tous des masques. Mais si, au final, les 7 n'étaient autres que des variantes des 7 skins bambins de base, qu'eux aussi veulent sortir de cette boucle, mais que comme dans la simulation de Fortnite, deux skins variantes identiques, que ce soit la simulation ou dans le monde réel, ne peuvent exister en même temps. Donc ce n'est tout simplement pas possible, donc les 7 seraient donc réunis pour combattre l'agence des skins bambins, les originaux, pour sortir donc de cette simulation et que les originaux re-rentrent dans la simulation, mais que cette fois ne puissent sortir. Donc Lexa serait-elle en train de préparer un piège pour les faire venir? Donc voilà, comme Donald Mustard, le dirigeant actuel de Fortnite, le disait, les choses vont s'accélérer et elles accélèrent vraiment. Mais après, ce n'est que le vrai début de l'histoire de Fortnite. Le chapitre 1 n'était autre qu'une vraie introduction. Après, vu l'histoire des 7 et que tout se rapporte au chiffre 7, peut-être attendre fin chapitre 7 où ce sera sûr, ce sera en rapport avec le chiffre 7 pour avoir toutes les réponses à nos questions. Oui, ce sera très long, mais bon, vu le mystère, l'attente vaut la chandelle. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous n'êtes toujours pas abonné, là je comprends vraiment plus. Code créateur nmxd.-du-bas dans la boutique Fortnite. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.